tandis qu'à Rurutu, l'île entière tourne au ralenti faute d'approvisionnement carburant, un problème récurrent sur cette île des Australes lorsque les bateaux tardent à ravitailler. Les stocks d'hydrocarbures de la seule station de Rurutu ne comblent jamais assez la demande des clients, comme en témoigne Virginia Taputu, interrogée par téléphone par Abinera Tematahutu. Chaque personne est obligée d'acheter des fûts d'essence, des fûts de gasoil pour leur consommation personnelle parce que la station, quand elle reçoit du carburant, elle est en rupture au bout de quelques jours. Donc, entre chaque bateau, elle est régulièrement fermée. Ça fait plusieurs fois que quand le bateau arrive, il n'y a pas de carburant. Le maire a proposé à la population des bons d'achat. Donc, tu peux aller à la mairie, chercher un bon à 1 500 francs pour pouvoir remplir ta voiture à la commune même. C'est une situation qui dure déjà depuis plusieurs années. Ça ne va pas en s'améliorant. Voilà un dossier à suivre.